Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le produit qui a été élu par le salon, le Silmo 2022, un produit qui a reçu la médaille d'or. On va parler, vous l'avez compris, du Voxy Vision. Qu'est-ce que le Voxy Vision? Vous allez voir dans cette vidéo que cet appareil entièrement portable, entièrement positionnable sur un bureau via son bouton Bluetooth, complètement offline, ce qui veut dire qu'il fonctionnera hors ligne avec ses 1 million de codes barres. Le Voxy Vision sera votre atout dans votre poche pour lire n'importe quel texte dactylographié et pour être complètement autonome dans votre vie. C'est parti pour la démo du Voxy Vision. Premier démarrage du Voxy Vision. Appuyez sur le bouton pour lancer la reconnaissance de texte. Voici le support fourni avec votre Voxy Vision, un support métallique et fait de bois de très grande qualité. Sur ce support est positionné un code QR. On va retrouver sur ce support une petite cale qui va vous permettre en fait de caler votre document au mieux pour une meilleure numérisation. Une télécommande Bluetooth avec un appairage simplifié pour gérer votre Voxy Vision à la voix sans aucun souci. Machine à lire. Le Voxy Vision qui bien sûr va vous aider tout au long de vos journées à lire, écouter, enregistrer. Un dépliage simplifié du socle. Sur le dessus du socle, on va donc retrouver un socle en bois avec une pastille aimantée pour accrocher correctement votre Voxy Vision. Ce socle en bois va tout simplement se basculer et se mettre en suspension au-dessus de votre document. On s'aperçoit que ce socle est parfaitement creusé avec l'aimant au centre pour accueillir le Voxy Vision. À l'intérieur du socle, en haut à droite, on va donc retrouver un code QR qui permettra de repérer lorsque vous aurez inséré ou lorsque vous aurez enlevé votre feuille. L'insertion du Voxy Vision dans son socle est un jeu d'enfant. Un machine à lire. 2. Loop. 3. Galerie. 4. Dictaphone. Passons maintenant à l'essentiel, la lecture. Voilà donc, une fois qu'on est prêt à lire des documents, on va tout simplement basculer la petite cale pour pouvoir positionner notre document correctement pour une bonne lecture. Alors ici, l'avantage, c'est le code QR. Le code QR va permettre en fait de positionner le document. Tant qu'un document n'a pas été placé sous le Voxy Vision, en fait, rien ne se passera. Du moment où on va positionner notre document sous le Voxy Vision, tant que la main sera sous le Voxy Vision, aucune photo, aucune prise d'OCR ne sera faite. À l'instant où on va enlever notre main, le Voxy Vision prendra une photo. Exercice 6. Charge locative d'un appartement. Dans le tableau de l'exercice 6, on a reporté les montants des différentes factures afférentes aux charges d'un appartement chauffé à l'électricité. On souhaite se représenter la composition. Une fois que le Voxy Vision aura pris une photo, la lecture se fera instantanément. Et maintenant, place à la gestuelle, regardez ici. Un simple geste sous le Voxy Vision et la lecture se mettra en pause. Entrez la formule. Et en faisant exactement le même geste, en mettant la main droite sous le Voxy Vision, on relancera la lecture. Le Voxy Vision est tellement intelligent que si je mets ma main gauche sous le Voxy Vision, écoutez. Total des charges d'électricité en B9, puis recopier cette cellule dans tout. Et bien tout simplement, la main gauche permet de revenir sur la phrase précédente. Il est tellement intelligent le Voxy Vision qu'il a eu la médaille d'or du Silmo 2022. Allez, on fait une petite pause. Vous l'avez compris, la force du Voxy Vision est d'être gérable par une certaine gestuelle sous le Voxy Vision.
Alors ici, par exemple, une fois que vous avez numérisé votre document, vous allez fermer votre point droit, vous le placez sous le Voxivision, écoutez ce qui se passe. Texte sauvegardé avec succès. Aucun appareil actuellement sur le marché est capable de faire cette chose. On est vraiment sur un appareil ultra performant. Vraiment, le Voxivision mérite sa médaille d'or du CILMO 2022. Dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez d'une telle fonctionnalité. Allez, on enlève le document et regardez ce qui va se passer. Dès que je vais mettre un nouveau document sous la caméra, automatiquement ce document sera détecté et une prise de photo automatique sera faite. C'est parti, regardez, tant que j'ai les mains dessous, il ne se passe rien, j'enlève les mains. N sur la dernière feuille du fichier nommé réduction, une erreur d'étiquetage CPRO. Duit et on doit retrouver le prix d'origine des produits qui ont subi une réduction indue. Ouvrez-la. Mais d'où sort cette puissance de cet appareil? Eh bien, bien entendu, elle sort de chez VoxiWeb. De réduction dans la colonne E, ils sont indiqués en toutes lettres. Alors maintenant, on va enlever le document sous le VoxiVision. Et regardez ce qui se passe, c'est assez impressionnant. Remplissez la ligne des totaux. Instantanément, le Voxivision s'arrête de lire. Et ça, c'est vraiment une très grande prouesse. C'est vraiment excellent de pouvoir compter sur le Voxivision en toute situation durant notre quotidien. Exercice 1. Saisirge, police Arial pose. Donc, vous ne rêvez pas, on peut à tout instant interrompre directement lorsqu'on enlève le document, lorsqu'on met le document, écouter tout notre courrier, écouter l'intégralité des documents que l'on désire, qu'on soit particulier, étudiant ou professionnel, le Voxivision est vraiment l'appareil qu'il vous faut. On peut, même si on le désire, le prendre manuellement et lancer de la numérisation instantanément. Regardez ici, je vous fais un exemple concret. Le document est à l'envers. Que votre document soit à l'endroit ou à l'envers, votre Voxivision fera le nécessaire pour vous lire votre document à l'endroit. Nom, Le Gros Dupré, Martin. Hors de son support, le Voxivision est capable là aussi de vous obéir au doigt et à l'œil. Posez votre doigt et regardez ce qui se passe. Pause. 0380 pause. Et comme on dit, vous pouvez gérer donc votre Voxivision par le biais d'un seul doigt. Vous posez votre doigt, vous faites une pause, vous reposez votre doigt sur l'écran et vous relancez la lecture. Le Voxivision, une machine à lire de poche tellement simplifiée et tellement simple à utiliser. Saisissez les pourcentages de réduction dans la colonne E. LLS sont indiqués en toute leur dans pause. Vous désirez donc revenir sur l'écran précédent, vous allez poser deux doigts sur l'écran de votre Voxivision et vous allez pouvoir reprendre une photo instantanément et relire un nouveau document. Deux doigts, appuyez boum, sur le et c'est parti. Pour lancer la reconnaissance de texte. Et que diriez-vous de diriger l'intégralité de votre Voxivision à la voix? Je vous montre tout ce qu'on peut faire, c'est parti. Machine à lire. Appuyez sur le bouton pour lancer la reconnaissance de texte. Accueil. 1. Machine à lire. Suivant. 2. Loop. Accueil. 1. Machine à lire. Suivant. 2. Loop. Suivant. 3. Galerie. Validé. 1. Reconnaissance de texte. Suivant. 2. Image. Précédent. 1. Reconnaissance de texte. Validé. Devoir de maths. Validé. Devoir de maths. Exercice 6. Charge locative d'un appartement dans le tableau de l'exercice 6. On a reporté les noms. Pause. Renommé. Appuyez sur le bouton micro ci-dessous pour renommer votre fichier. Dictée français. Dictée français. Fichier renommé avec succès. Tout simplement incroyable, grâce au petit bouton Bluetooth, vous allez pouvoir gérer à la voix
votre Voxivision et vous allez pouvoir renommer, lire, écouter l'intégralité des documents que vous recevez à la maison. Alors, ça mérite pas la médaille d'or du Salon mondial de l'optique ? C'est ce qui est arrivé il y a tout juste quelques jours, le Voxivision, médaillé d'or, c'est vraiment mérité. Voilà pour cette petite vidéo sur le Voxivision. Restez connectés, abonnez-vous, mettez un petit j'aime sous cette vidéo, puisque d'autres vidéos arriveront dans les prochains jours. Je vous montrerai en détail comment numériser les plus de 1 million de codes barres accessibles, les boîtes de médicaments, comment se servir de la loupe du Voxivision et comment, par exemple, connecter le Voxivision à votre Mac ou à votre PC pour récupérer les documents et les retravailler. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas, venez nous rejoindre, abonnez-vous, un petit j'aime sous la vidéo pour encourager la chaîne. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Salut à tous.